Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle escape, Escape the Fish Store. Donc c'est une sorte de magasin qui vend des petits poissons et il va falloir s'en échapper. Vous connaissez le principe de l'escape et moi je les adore. Ok, nous sommes dans le lobby, apparemment c'est par là-bas. Nous avons des petits pandas hyper mignons pour nous valider. Et c'est parti pour s'échapper de là. Pour l'instant c'est... Il y a des petites pièces là. Ça a l'air tentant. Ah ah. D'accord, il y a un petit challenge en plus. Il faut aller récupérer les pièces qui sont en haut des meubles. Jusque là, ça va, je maîtrise. Salut toi. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là, la belle petite baleine. J'adore, je suis fan. Hop là. Hop là. Ah, c'était un échec total. C'est bien parce que on meurt direct. On n'a pas le temps de se décomposer. Je pense que je passe par la droite en fait. C'est quoi ce vieux saut que je fais là? Attendez, on va se mettre sur le bord. Voilà. Voilà. C'est cool. Là, on a Bobby, Marlo et Georgette qui sont tous les trois là. Ah, les petits tableaux, c'est trop chou. Ouh là là là, tranquille Bobby, tranquille. Ça, c'est bébé Bobby ça. Je passe, hein. Je m'en vais pas. Attends, il me faut la pièce quand même. Ah, non, attends. J'ai la pièce. Ok, j'y vais. Sois gentil Bobby. Je veux la pièce. Juste la pièce, après je ne t'embête plus. Et j'adore ce système parce que je crois que c'est la première escape où on a un système comme ça de petites choses à récupérer en plus. Ah, j'ai touché. C'est toujours les mêmes, hein. On est toujours surveillés par les trois mêmes poissons. C'est le gang des poissons. Oulala, on arrive autour des piranhas là. On ne tombe pas au milieu des piranhas. Voilà. On se méfie. Wouh. C'est... ok. Bah là, on va suivre la flèche, hein. Salut, salut. Oh, need a crowbar. Non, ça va aller, merci. Je crois qu'en fait, c'était par là qu'il fallait aller. Ah bah non. Mais, tu veux me donner une barre? Hi. Et j'en fais quoi de ta barre, moi, après? Est-ce qu'on en parle? Ah, faut peut-être aller là. Vous y croyez, vous, à ce petit passage, là? Est-ce qu'il est allé chercher la barre, aussi? Ah, je l'ai, la barre. Ah ah! Oh, ce passage. Moi je te suis, hein. On est poteaux tous les deux. Hein. Par ici la monnaie. Cling, cling. Qui c'est qui va trouver la sortie en premier? Oh, il y a une pièce là. Moi je suis d'abord attirée par les pièces, après je cherche la sortie. Tant qu'il y a des pièces, c'est qu'on n'est pas encore passé et qu'il y a moyen de... Ah, et qu'il y a moyen de sortir. On fait 10 fois le tour. Il y a combien de pièces dans ce labyrinthe? Est-ce qu'on en parle? Là je suis totalement perdue. Hein. Si je suis allée de l'avant, si je suis allée en arrière, si... Et Marcel, t'es où? On avait dit qu'on restait amis tous les deux et que tu me montrais la sortie. Je suis sûre, lui, il l'a trouvé. Bah, c'est bon, je l'ai trouvé aussi. Eh. Oh, j'ai une chance inouïe, hein, parce que j'y suis vraiment y allée à la one again. J'aime pas trop ces passages-là. Toboggan! Wouhou! Oh là, on vient d'être mangé par un piranha géant. Pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ok. Oh ah oui, alors là, on rentre dans le game, là. Je sais pas si vous voyez les sticks, il y a tout là-bas au bout, j'ai trop peur. Bon, il faut tous se les faire. Hein. Ok, c'était un échec. Ok, c'est celui-là. Mais il va quand même falloir qu'on soit celui-là pour la pièce. Donc, on prend le rouge. Oh, moi, je veux toutes les pièces. Hein. Wouhou. Après, on veut le violet. Je sais pas pourquoi je pense que c'est le violet le bon. C'est le violet le bon, mais il nous faut le jaune. Je sais pas si on peut se faire un petit aller-retour en mode... Hey. Ah non. Échec. Échec total. Bon bah je récupère la jaune et puis on se leur fait une last. Voilà, j'ai le rouge, maintenant c'est parti pour le violet. Et là les gens, et là on va s'amuser comme des petits fous. J'ai trop peur là. Ok, on y va. Tranquille. Oh, il a plus confiance que moi. Moi j'ai aucune confiance en moi. Attends-moi, Patrick. Ok, je la veux pas cette pièce là, c'est bon, je la veux pas. Je veux juste passer, je veux juste pas mourir. Ok, j'y vais. Allez. Non. Je me suis accrochée. Je suis là, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Tous les poissons sont mourus. Ça, c'est un gros piranha. Ils sont tellement mignons, ces poissons. Je suis tellement fan. Je crois que, franchement, depuis le début des escapes que j'ai commencé, c'est une de mes préférées. Elle est très mignonne, très bien faite. Et j'aime beaucoup les poissons. Alors, bouton doré. Ok. J'ai l'impression que ça compte pas trop. On peut aller où on veut. Ah, non, pas où on veut quand même. J'ai touché la banquise. Je vais passer par là. Je vais changer de chemin. Ok. Allez. Il y a une super pièce, on est potes, toi et moi, on est potes. Me laisse pas tomber. Il m'a laissé tomber. Ah, ça va être chaud patate. Moi, je reprends ce passage-là. Il était plutôt safe. Ah non. Il faut y aller vraiment tout en douceur. Attendre d'être bien au bout. Je suis au bout. C'est un peu la mer de glace ici. On s'attendrait à voir des ours polaires.
Où sont vos petits ours polaires? Hein? Hein, monsieur? Il est où, le nounours? On y est presque. C'est plus qu'une question de secondes. Est-ce que je pourrais sortir de la bouche de ce poisson? J'ai l'impression d'être dans la fin, là. Oula! Ah! Ah! C'est quoi, cette arnaque? Ok, je suis dans les égouts. Alors, attendez. Je me sens pas bien. Attendez. J'aurais voulu quand même, voilà, sauvegarder le point. Qu'est-ce qui se passe ici? Oula. Je suis en sprint total. On évite le serpent, on évite la tortue. C'était chaud. Oh! Encore manger? Non mais arrêtez de me croquer toutes les 30 secondes. Maintenant je suis dans le ventre d'un piranha des égouts. C'est dégoûtant. J'ai toujours peur de passer à la cascade. Je me dis que je vais me faire... que ça va être quelque chose de super dangereux. Mais en fait non. Ah, c'est un échec. Ok. Allez. C'est bon, ça le fait. Oh non, j'ai touché. Mais je suis la pire. Fais t'avoir, toi. Fais du but. Hop là. Allez, comment je t'ai brain? Oh, des crocos. Ah, bah apparemment, fallait pas toucher le croco. Ce qui paraît logique, hein. Moi, je saute sur le croco direct parce que je le trouve trop mignon. Pourquoi j'ai pas la pièce? Oui, merci. Ouh. Adieu les crocos. Bisous. Salut les gars. Ça sent la sortie, là. Oui. L'aquarium de l'enfer. On va éviter de se faire écraser par une voiture. Combien de fois je me suis fait manger aujourd'hui? Combien de fois je me suis fait manger depuis le début de ma chaîne? Entre grand-mère qui a voulu me manger, papy qui a voulu me manger, maintenant c'est... Oh! Un requin. Ok. Je suis chaud. Apparemment, en fait, faut pas passer par le requin, ce qui paraît logique. Moi, j'y vais direct, hein. C'est un requin, j'y vais direct. Ah. Ah, fallait pas toucher le rondin non plus. Non, mais vous m'en demandez un peu trop, là. On touche pas le rondin. On touche pas les racines. On touche pas les poubelles. Ça me donne le tournis. Je me sens pas bien. Mais arrête de me pousser, toi. On n'est pas un. Je sens que c'est bientôt. On fait attention aux petites mares d'huile, là. Oh, il est tombé chez les piranhas. On y va très, très safe, nous. C'est trop dangereux. Salut. Wow. Oh, petite baleine. Salut les petits copains. Comment ça se passe ici? Vous êtes tellement mignons. Oh, les petits chats d'amour. C'était compliqué. Mais j'adore. La baleine est beaucoup trop mignonne. Les petits poissons aussi, vraiment. Je crois que cette escape est beaucoup trop cute. Thank you for playing, il t'a dit. Thank you too. Moi aussi, je vais faire un dab devant la baleine. Bon, et bah sur ce, je vous laisse sur cette petite escape. Je vous donne le lien en description. Je crois vraiment que c'est une de mes favorites. Elle est vraiment trop mignonne et pas trop compliquée. C'est une escape de débutant, ok? C'est une escape totalement pour mon level. Avec pas de choses qui tournent trop dans tous les sens et qui veulent te faire mourir. C'est la petite escape des poissons et des baleines, beaucoup trop cute. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu. Et à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!